Tout le monde nous dit, vous fêtez jamais vos titres mondiaux, vous finissez le championnat, vous vous barrez, vous êtes déjà dans la préparation de l'entraînement suivant, quoi. Style, vous êtes chiant, quoi. Ouais, on est chiant, quoi. Mais au moins, ça marche. Le plus gros qu'on ait fêté, c'est... j'ai été obligé, pour le 4e titre là, mondial, me dire, Franck, fais un effort, quoi. T'étais rabat-joie au possible. Je me suis demandé si j'avais encore de l'émotion, quoi, quelque part. Parce qu'on a fini le truc, moi j'étais déjà dans la préparation des essais qu'on allait faire après. À un moment, je me suis dit, donc je suis parti, on était aux États-Unis, j'étais dans la plus grosse cave à vin là, de Miami, j'ai acheté ce qu'il y avait de mieux comme bouteille de vin, j'ai acheté des Monte Cristo, des cigares, et je me suis dit, on va quand même se faire ça à un moment, donc on était sur le ponton. Alors, et voilà, l'anecdote, c'est qu'on était sur le ponton, il devait être 11h du soir, on a fini notre verre de, je sais pas, c'était pas du PX, c'était quoi? Je me demande si c'était pas un Château Lafite. Je crois que c'est un Château Lafite qu'on avait pris. Voilà, au Monte Cristo, et on s'est regardé, on a dit, mais on va pas bien là, on est cramé quoi. Donc on a éteint les cigares, on a fini le vin parce qu'on s'est dit ça, on peut pas acheter, et on a été se coucher quoi, c'est chiant, on est chiant à mourir en fait.